Salut tout le monde, c'est Volkov, on se retrouve pour mon premier tutoriel. Donc comme vous avez pu le voir, je vais peut-être essayer de le faire passer sur code QG ou code CF. Donc merci à eux si c'est fait. Donc on se retrouve sur mon premier tutoriel, le drop shot. Donc le drop shot, pour commencer, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est très simple, mais il faut quand même suivre attentivement. Regardez, c'est ceci. Alors maintenant que vous avez vu ce que c'était qu'un drop shot, on va entamer la deuxième partie qui s'intitule « À quoi ça sert ?». Donc à quoi ça sert? Eh bien c'est très simple. Un drop shot, ça déstabilise beaucoup l'ennemi comme vous pouvez le voir. Car on s'attend à avoir un ennemi de face et debout, du coup on commence à tirer et on essaye de viser le torse ou la tête et en fait on voit qu'il s'allonge et du coup on est totalement troublé et on perd un temps pas possible pour pouvoir le tuer alors que lui peut nous ajuster très facilement et très rapidement et on est quasiment sûr et certain de perdre un duel. Donc on passe à la troisième étape, qui est, troisième étape, comment on le fait? Donc c'est très simple, je tiens vraiment à insister là-dessus, mais bon, il faut savoir qu'il faut de l'entraînement, ça va pas venir comme ça, hop, d'un claquement de doigts. Même les plus grands gamers, et ben eux-mêmes, ils ont mis du temps à maîtriser le drop shot. Donc, une petite astuce qui est logique, enfin bon, faut le savoir, on va dans commande et on met tactique. Donc quand vous commencez, vous allez être par défaut sur ces deux-là, et bien dans commande, vous mettez tactique. Ça permet de mettre le joystick pour s'accroupir ou s'allonger et le rond corps à corps. Donc du coup ça peut vraiment vous faire faciliter la tâche, c'est vraiment beaucoup plus rapide pour s'allonger. Et du coup vous allez maîtriser le drop shot beaucoup plus rapidement et ça va vraiment vous faire gagner du temps, un temps vraiment très précieux pour le drop shot. Donc voilà. Je pense vraiment avoir tout dit, enfin bon, je vais un peu éclaircir quand même comment on le fait. Dès que vous voyez un mec, vous allongez en cliquant sur le joystick droit, vous restez appuyé sur le joystick droit, et vous videz votre chargeur sur le mec. Et voilà, vous avez réussi à faire un drop shot. Voilà, donc je pense que c'est assez facile, mais il faut quand même de l'entraînement. Et après quelques parties d'entraînement, ça va aller tout seul. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez bien aimé et que ça vous a servi, bien sûr, vous mettez un petit j'aime bleu juste en dessous de la vidéo. Ça me fait super plaisir et ça me fait connaître et ça me fait de la pub. Enfin, voilà, ça prouve que mes vidéos sont bien aimées. Et au moins, je peux voir que mes tutos, bah, c'est aimé. Du coup, pourquoi pas en refaire. Et voilà. Donc, on va se quitter sur ces dernières paroles. Donc voilà, c'était Focav, j'espère que ce tuto, ça vous aura plu. On se retrouve sur une prochaine vidéo, bye tout le monde, et gamez bien !